Tidjol, j'ai 30 ans. Je suis arrivé en France à 5 ans de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé l'athlète à 17 ans. Donc j'ai commencé assez tard parce que ma mère voulait que je fasse un sport parce que je ne faisais pas de sport. Et elle m'a forcé à faire de l'athlétisme. En me forçant, elle a quand même réussi à me faire devenir un bon athlète, on va dire. Est-ce que tu as déjà travaillé, entre guillemets, dans la vie active, autre que l'athlétisme? J'ai fait une journée au McDonald's. Ah, d'accord. Okay. J'ai fait une journée au McDonald's et respect à ceux qui sont au McDonald's, parce que c'est vraiment pas facile. Et je me suis dit, non, voilà, je veux faire autre chose, donc voilà, je me suis donné les moyens de faire autre chose. Pourquoi tu as accepté d'être le parrain de l'école ici? Je trouve que c'est donner la chance de repartir. Je sais que c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Moi, quand j'ai commencé l'athlète dans mon quartier, on me disait « Ouais, vas-y, que tu vas te prendre la tête à faire ça, reste avec nous. » Je sais que c'est plus facile de ne rien faire que de faire. Ça m'a vraiment interpellé quand on m'a proposé d'être parrain de cette école, parce que je trouve que voilà, si moi je peux, dans mon petit coin, vous aider à vous booster, à vous dire ce que vous faites, c'est top et qu'il ne faut vraiment rien lâcher. Eh ben, je viendrai tous les jours s'il le faut, tu vois. Et voilà, si c'est pour moi, c'était normal. À la base, je n'aime pas trop. Je suis pas une personne qui aime les conflits ou qui aime me battre. Mais je pense que je suis un mauvais perdant. Donc pour ne pas perdre, je fais tout pour gagner.